Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo d'Iron Painting. Nous allons terminer les cartes que j'ai commencées ce week-end. Après, je vais vous montrer l'avancée de la toile que ma maman est en train de faire et que j'ai un peu aidé. Et aussi, je vais vous montrer l'avancée de la toile de chez Mes Petits Diams de l'éléphant. J'ai eu quelques petites misères. Ouais, ça se dit. Ouais, si, si. J'ai eu quelques petites misères sur cette toile, mais bon, tout est arrangé, ou presque, on va dire. Mais merci à Caroli hein, de la boutique Mes Petits Diams qui m'a renvoyé les diamants manquants. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer l'avancée de la toile de l'éléphant. Voilà, j'ai déjà fait tout le haut. Et là, ce soir, je vais essayer de faire toute cette partie-là. Il me restera tout le bas que j'essaierai de faire demain. Mais là, ce soir, je vais essayer d'avancer par là. Voilà. Alors, voici l'avancée de cette toile. Et voici l'avancée de la toile. Je vais vous montrer comme ça. De cette toile-là, alors tout là c'est fait. Là, c'est moi qui ai fait le trait hier soir pour délimiter. Et là, c'est fait. Et j'ai déjà encollé toute cette partie-là. J'ai mis du vernicole parce que les diamants commençaient un peu à s'enlever. Alors, j'ai préféré mettre du vernicole pour éviter la catastrophe. Alors, voici l'avancée des deux toiles. Après, je vais vous montrer les trois cartes qui sont terminées et nous allons terminer celle que j'ai commencée tout à l'heure. Alors, il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci que quelqu'un m'a offert pour mon concours des 700 abonnés. Ouais. Alors, merci, merci, n'importe quoi. Voici les trois cartes que j'ai déjà faite. Et est-ce que vous savez la quatrième ou pas pour les personnes qui l'ont fait? C'est le perroquet. J'ai déjà commencé et nous allons essayer de la terminer ensemble. Hop, bon, là je rentre du boulot, j'ai terminé à 17h et je me suis dit hop, quand j'arrive, une petite vidéo Diamond Painting. On finit les cartes. Et si je peux avancer. Est-ce que vous voyez là? Non. Oh, attendez. Hop, ça sera mieux comme ça. Et avancer la toile de l'éléphant. Voilà. Et aussi, quand la toile de l'éléphant sera terminée, je ne sais pas laquelle faire. Alors, on verra si je fais des porte-clés ou des cartes. Cela, il y a beaucoup trop de trucs qui sont commencés en même temps. Il y a la toile au dos papillon, la femme au dos papillon, qui est en carré. J'ai laissé tomber. Là, je ne peux pas du tout, du tout. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux vraiment pas. Voilà. Alors, j'ai laissé de côté. Je l'ai renroulé proprement. Je l'ai mis de côté. Et je le ressortirai quand j'aurai envie de faire cette toile. Mais comme vous le savez, les carrés, ce n'est pas mon confort. Voilà. J'aime vraiment pas. Alors qu'on n'aime pas, on n'aime pas. Mais bon, je l'ai pris en carré sans faire exprès. Alors, bah maintenant, voilà. Faut assumer. Alors, je la ferai, mais pas tout de suite, tout de suite. En espérant qu'elle collera encore quand je la ressortirai. Normalement, oui, parce que le plastique, je l'ai bien recollé. Alors, normalement, ça ne craint rien. Voilà. Petite annonce. Je fais un concours. Alors, avant de d'envoyer des messages, je participe, etc. Pour participer, il faut être
abonnés. Alors c'est mon concours des 800 abonnés. Il m'en manque plus que 5 ou 6. Alors je pense que je vais les avoir bientôt. Alors je me suis dit, je fais la vidéo et je posterai la vidéo quand je les aurai ou quand je les aurai presque. Voilà. Alors oui, faut être abonné pour participer. Alors vous pouvez vous abonner et participer, mais il faut être abonné. Voilà, faut pas participer et pas être abonné. Mais bon, c'est mieux d'être abonné depuis un certain moment. Mais bon, je laisse la chance aux nouveaux aussi. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à participer. Alors, faut être abonné. Pour cette vidéo, faut mettre un pouce bleu et en bas de la vidéo, vous mettez je participe. Mais avant, je vous explique deux trois trucs pour le concours. Il faut m'envoyer votre participation par la poste. Alors, j'essaie de bien m'expliquer parce que au dernier concours, vous m'avez peut-être pas tous compris. Alors, faut m'envoyer une création que vous avez fabriquée. Ça soit Diamond Painting, peinture par numéro, etc. Faut m'envoyer par la poste une de vos une création que vous avez fabriquée. Hein. Ça peut être une toile, une carte, un porte-clés, une lampe, un album photo, quelque chose que vous avez fabriqué vous. Alors, j'autorise le scrap, mais quand j'ai autorisé le scrap la dernière fois, j'ai eu presque que du scrap. Alors, est-ce que j'autorise quand même le scrap? Oui, j'autorise le scrap parce que sinon j'aurais pas beaucoup de participation. J'autorise le scrap, mais si vous pouvez faire en rapport avec ce que je fais, comme je fais beaucoup de diamond painting, c'est pour ça que je préfère demander du diamond painting. Mais bon, si vous faites pas de diamond painting, vous pouvez m'envoyer du scrap ou autre chose. Mais je préfère le diamond painting car ma chaîne consiste à 98% du diamond painting. Voilà. Mais bon, j'autorise quand même les autres trucs. Mais faut pas que je reçoive que du scrap. Comme au dernier concours, j'ai reçu peut-être 4 ou 5 trucs de 4 ou 5 participations où il y avait du diamond painting dedans. Alors voilà. Après, je vous demande pas de m'envoyer 15 créations. Une, deux, trois, grand max. Après, si vous voulez en faire plus, bah, faites. Mais n'envoyez pas trop non plus, hein, c'est juste pour un concours. Après, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a à gagner? Alors, je vais vous en dire un. Il y aura deux ou trois gagnants. Voilà, je ne sais pas exactement encore. Deux sur, peut-être trois. Il y aura bien sûr une toile en diamond painting. Et j'étais en train de réfléchir, je voulais faire une autre toile, mais je me suis dit j'ai envie de changer, j'ai pas envie de faire que des toiles. Alors une toile, je ne sais pas quelle grandeur, je pense que ce sera une 30-40 ou 40-50. Je voulais faire, à la place de faire encore une autre toile, un petit panier garni avec plusieurs petites choses à manger dedans. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa. Alors, il y aura deux gagnants sûrs et peut-être trois. Et le troisième, bah, je ne sais pas ce que ça sera. Ce sera peut-être une autre toile ou un porte-clés à faire, bah, un kit de porte-clés. Je vous le redirai à ce moment-là. Ça dépendra des participations qu'il y aura. Si nous arrivons à plus de 20 participations, je vous gagner un troisième lot. Alors pour participer, vous m'envoyez par mail, alors vous pouvez mettre en dessous de la vidéo, mais par mail, votre prénom, nom et votre choix de la création, si c'est une toile, un porte-clés ou autre chose, vous m'envoyez le choix de votre création, votre adresse mail, et après ensuite je vous enverrai mon adresse postale pour que vous puissiez envoyer votre création. Alors, jusqu'à quand je
Vous vous dites jusqu'à quand je peux laisser le concours ouvert, ce que je voulais aller voir. On va aller regarder. Alors, aujourd'hui nous sommes le 8 calendrier. Aujourd'hui nous sommes le 8 et... Ah ouais, j'avais dit en début de vidéo que je n'allais pas la poser tout de suite, mais si, 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 je vais la poser tout de suite, même si je suis pas à 800, comme je fais... Oh, attendez, il y a beaucoup de luminosité. Après, vous voyez plus grand-chose. Alors aujourd'hui, nous sommes le 8. Je vais laisser jusqu'au 4 avril. C'est un dimanche. Je vais laisser jusqu'au 4 avril pour participer. Non. 21. 21, c'est pas dimanche là, c'est dimanche prochain. Pour m'envoyer un message que vous me dites je participe, machin, machin. Et jusqu'au 4 avril pour recevoir les colis. Ouais, on verra. Au 4 avril tout. On va mettre jusqu'à 4 avril, vous pouvez vous inscrire et envoyer les colis. Et au-delà de cette date, on avisera si j'ai reçu toutes les participations du concours. Voilà. S'il m'en manque une ou deux, je repousserai la date. Mais en espérant que je reçois tout le 4 avril, comme ça je vous fais... Je vous fais la vidéo du la ah mince du concours, voilà. Et je vous montrerai la toile ou les deux toiles plus le panier garni que vous allez gagner, pardon. Je peine. Alors voilà. Alors je réexplique une dernière fois, faut m'envoyer par mail votre nom, votre prénom, votre adresse mail, bah je l'aurai, mais bon, si vous voulez me l'envoyer, vous pouvez me l'envoyer. Votre choix de votre création. Voilà. Alors, n'hésitez pas à participer au plus vite. Et oui, en dessous de la vidéo, vous pouvez mettre je participe, je t'envoie un mail dans la soirée. Et voilà. Je vous mets mon mail en barre d'infos. Alors, je vous le dis, c'est rcartier432 @gmail.com. Mais je vous le mets en barre d'infos, ça sera plus facile pour vous. Alors j'attends vos participations et je vous dis à tous à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains DP. Alors voici, je vous montre avant de quitter. Il me reste plus que les P, pardon, là et là. Et les B. Voilà. Bon allez, bisous!